Salut à tous. Je vous présente un making-of, j'allais dire un petit making-of, je ne sais pas combien de temps il va durer en fait, de mon court-métrage en collaboration avec Bluehead, une amie artiste. Il s'agissait donc de faire une série de photos à la base. Bluehead, avec qui j'ai collaboré, donc fait des photos nues artistiques. Vous avez tous les liens donc en description, son Instagram, son site. Et donc elle m'a proposé de faire une série qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire du nu artistique. Qui comprend d'autres éléments comme le charbon. Le but était qu'elle se recouvre de charbon. Alors le charbon étant trop compliqué à nettoyer sur de la peau ou même ailleurs, je pense, on a faké, nous avons pris donc du pastel gras de couleur noire et la sensation de charbon marchait très bien. Donc c'était une série de photographies qui était prévue. Nous l'avons faite, vous aurez les liens également en description pour regarder tout ça si ça vous intéresse. Mais finalement, comme j'adore la vidéo, nous sommes partis également sur une vidéo. Et donc là, c'est le making-of de tout ça, donc vidéo plus photo, 3 jours intenses de boulot. On était bien crevés, mais le résultat est chouette. Donc vous l'avez peut-être vu, c'est un court-métrage du coup expérimental, contemplatif, assez creepy pour une bonne moitié. Une ambiance assez horreur, assez inquiétante. Pour ceux qui aiment ça, vous pouvez aller le voir. Le lien s'affiche ici, sinon vous l'avez en description. Donc voilà, petit court-métrage sur le concept de l'errance, dans les mines de fer de Rancier, donc dans les Pyrénées, en Ariège. J'y avais fait un premier court-métrage très expérimental que vous pouvez aussi trouver sur ma chaîne et dont d'ailleurs j'ai mis un petit extrait pardon, dans la vidéo. Trêve de bavardage, vous allez voir tout de suite ce making-of où j'ai tenté de filmer chaque étape pas à pas pour la réalisation de cette série de photos et de vidéos. Merci à tous et n'hésitez pas à nous faire nos retours sur les photos, sur le court-métrage, etc. Et donc retrouver mon ami art voiture et donc retrouver l'artiste Bluehead sur son Instagram et sur son site internet. Les liens sont en description. Allez jeter un petit coup d'œil. Oui, je sais, on voit mon portable dans mes lunettes. Et donc, nous sommes dans les Pyrénées, en Ariège, pour ce beau cadre. Et nous allons faire du repérage, premièrement, dans des mines désaffectées, qui étaient des mines de fer dans les années 1930. La mine de fer de Rancier, dans les Pyrénées, près du village de Seine, dans la vallée de Vic-de-Sauce, en Ariège, est une mine de fer qui a certes fermé dans les années 1930, mais elle est beaucoup plus ancienne, comme beaucoup de mines. Les premières traces d'exploitation du fer à la mine de Rancier datent du 3e siècle après Jésus-Christ, mais ses origines restent floues car le début de l'extraction semble dater de l'époque gauloise.
Et bien sûr, pour notre court-métrage, nous avons fait mine que la mine de Rancier exploitait du charbon et non du fer. À noter que le jeu de mots « mine » que je viens de faire n'était absolument pas préparé, je me suis surpris moi-même à le faire et je trouve que ça colle bien. Mais j'ai pas du blanc. Et ça, tu vois, avec le fusain, ça passera pas trop mal. Avec le pastel, ouais. Et c'est un effet glauque que je cherche. Enfin, pas glauque, mais... Pas, je veux pas un truc neuf, quoi. Je veux pas un effet... Oui, un truc en état. On cherche un effet joli, là. On cherche un effet... Et donc, le pastel... du noir, qui donne vraiment un effet charbon, comme on veut. Et du coup, tu as pris des couleurs, mais c'est une vraie question. Tu penses tester des trucs aussi ou non, non c'est vraiment pour le noir, quoi. T'as tout pris. J'ai fait une boîte entière pour un noir. Le chose, maintenant, on va voir si vraiment ça sera utile ou pas. C'est pour ça que je te dis... un peu tous les genres, un peu tous les styles, j'ai envie de dire. Ouais, c'est sûr. Ça et surtout les. Et finalement, j'imaginais plus de sombre que ça, mais. Oui, non, mais oui. Alors, Solange sera à poil puisque ce sont des photos de nudité, mais ça, je l'ai déjà dit. Mais de temps en temps, l'idée, c'est de mettre un petit truc dessus, quoi. Tester, quoi. Ouais, ouais. Voilà, ouais. On teste et puis on voit. Une petite vidéo aussi, mais on sait pas quoi encore. Ça va être feeling et ce sera aussi en lien avec les photos. Donc ce sera. On a une idée, mais voilà. Entre ce qui est l'idée et la réalisation réelle. Voilà. Non, mais j'en suis sûr que ça va être chouette. Et c'est en rapport avec la nudité, bien sûr. Donc ce sera la même ambiance, quoi. Nous partons faire du repérage direction les mines du Rancier avec cette folle. Alors là, voilà. Bonjour, je suis un chien. Montagne des Pyrénées, dit Patou. J'ai pu le rencontrer une fois déjà. Il était là et en fait, il est sympa, il est sympa, juste il fait en fait. Il fait 2 mètres quand il se lève. Hein. C'est le gardien, il fait 2 mètres quand il se lève. On peut en avoir peur, mais. Et là, la dernière fois qu'on est venu, il y avait des chèvres, genre partout. Enfin, des brebis surtout, je pense. Alors Solange, elle a la flemme de remonter, c'est ça? Oui. Merci Solange. Première idée, une photo ici peut-être, avec les racines. Là nous arrivons au premier vestige des mines, avec un wagon. Donc ça peut être un endroit, voilà. Il faut voir. Là-bas. Pour ok. Mais dans ton idée, on verrait ça ou pas, le wagon? Ouais, ok. Dans mon idée, c'est air autour. Mais faut voir s'il n'y a pas d'orties. Ah oui. Ça passe en vrai. Donc là, on a un spot, on a en haut. Je suis vraiment au menu là. Là-bas. Je regarde juste. Non, parce que. Ah, voilà, oui. Non, parce que là, il y a des rails, mais quand je suis venu la dernière fois. Ouais. Ouais, la poudrière, donc il y a une entrée de grotte. Mais c'est tout petit. Genre, on va pas faire de la spéléo, quoi.
je te prends de là, et puis après je descends, et on fait d'autres plans en bas aussi, ça peut être sympa, ouais. Mais on peut en faire un d'ici, ouais, ça peut être cool, ouais. Il y a plein de troncs qui sont au sol aussi. Il y a que ça même. Oui, voilà, ouais. Ah oui, voilà celui-là, ouais. Celui-là que j'avais vu la dernière fois, il est trop bien. Si tu le mets dessous ou je sais pas quoi. Tu cherches à faire quoi? À la suspension? Pour la photo? Pour une idée de photo ou juste comme ça maintenant? Non, pour ça. Ça va loin, hein, putain. J'ai pas de maquillage. Il va y avoir les arbres avec les racines et celui-là. Donc on peut les faire avant de faire le truc avec le charbon. Oui, donc tout ce qui est mine, ce sera maquillage avec charbon. Ouais, voilà. Et forêt sans maquillage. Mais du coup, est-ce que tu veux... La forêt, le pont que tu as montré, là, celui-là, on le fera avec ce que ça amène, tu vois. D'accord, oui, ok. Mais alors du coup, est-ce que tu veux qu'on fasse par exemple un jour sans maquillage et un jour sans, ou alors pas forcément? Là, vu que c'est à la suite, on peut faire d'abord sans maquillage et après avec le maquillage. De toute façon, on passe en priorité le maquillage. On passe en priorité le projet le plus important. Là, c'est bon, on peut passer, il faut juste ouvrir. Et après, on va arriver à la poudrière et à la trémie. Oh, ok, ça souffle comme ça. Ah, par contre, tu vois, je peux marquer qu'il y a une ici. Ouais. C'est ça, tu auras du bruit, là. Oui, voilà, ouais, ce genre de truc. Par contre, il va vraiment falloir que je travaille ma démarche. Oui. Là, par contre, je sais pas comment on peut faire. Parce que tu pourrais avoir un plan de vue comme ça, mais... Oui, c'est là où on va, ouais. Ouais. Ben, faut voir. Franchement, il y a moyen de moyenner, peut-être. Hein. Bah, il faut réfléchir à... En fait, il faudrait que tu sois en haut et que tu me dises. Ouais. On aurait dû prendre des toquis. Oui. On fait un shooting dans la nature, prendre des toquis. Si jamais, on aura toujours les téléphones. Ouais, Léo. Le téléphone, quand je suis venu, je peux pas le mettre dans mon cul, quoi. Ah bon? Non. Ce qui peut être pas mal, peut-être aussi, c'est une fois qu'on est au bout du muret, là... celui-là, ouais, on se retourne et je sais pas, peut-être qu'il y a moyen de faire un plan joli aussi. Pourquoi faire? Ben, pour faire une photo ou une vidéo ou les deux. Là, ouais, si on regarde vers là, je sais pas, peut-être qu'il y a moyen de faire un truc. Oui, en errant, si tu peux là. Pour oui. Le charbon, non, peut-être pas en charbon, mais en tout cas, ouais. Du métal, ouais. Ça, j'avais filmé ça. Ah oui, attends, viens, regarde. Avant d'aller en bas, on peut aller, voilà, là c'est la poudrière. Ça colle tout à fait à l'environnement. Ce coin-là, il est sympa aussi, ça peut faire creepy. Ouais. C'est filmer le truc en haut et ensuite tu descends sur moi. Ouais. Tu viens vers toi. Oui. Et aussi, c'est différent, mais why not? Ouais, non, on voit pas trop. Mais... Bon, après, il faudra que les couleurs soient différentes, mais. Attends, du coup, je voulais te montrer. Je voulais te montrer l'idée, mais bon, au pire, je te montrerai demain de toute façon aussi.
Ouais, si on te voit flou comme ça au loin, c'est pas mal, je trouve. Du coup, ça faut voir aussi devant l'entrée ou quoi. Alors la dernière fois c'était. Ah mais c'est ouvert, oui, voilà. C'est ouvert, sauf que je vais pas rentrer parce qu'on va rien y voir. Ça sert à rien, mais. Ça c'est un son qu'il faut que je capte. Et merde. Comment? Ouais. Oui. Alors, je dis treillis à chaque fois, mais c'est trémie. C'est une trémie. Donc, elle est en bas. Et puis, après, je sais que quand il y avait le pont, là, et la rivière, on peut continuer en bas. Et il y a d'autres choses comme ça. Mais moi, j'y suis jamais allé encore. Mais du coup, on pourra y faire un tour. Que ça peut nous servir. Ah voilà, ouais. Et là il y a plein de trucs là. Déjà, avant tout ce qui est ferraille, il y a ça, c'est pas mal. Ben peut-être quoi. Et toi qui vois après? Moi je vois bien, ouais. Non, alors ça c'est pas du contre. Ça là ici, t'inspire pas ça? Moins? Parce que je cherche du métallique, quoi. Oui. Mais peut-être pas avec le charbon, mais dans l'érance peut-être. Je sais pas, je vais regarder, je vais dire ça. Non, parce que tu peux pas sortir de là. Ça par contre, exactement. Ah ça, oui. Ça je savais que. Là, ça te plairait. Là, t'as des plans à faire là. Ah oui, là, il y en a plein. Là. Et là, ici. Tu vois, t'as des plans ici à faire si je fais ça là-bas. Ouais. Et je debout, je peux. Ah, on peut même me filmer assis, je pense. Là, Regarde ce qui est bien aussi là, je sais pas. On peut faire un truc là aussi. Ah, tu veux dire aller en bas là? Ouais, oui. Oui, parce qu'on peut aller en bas et il y a de la ferraille en bas aussi d'ailleurs. En fait. Ouais, je pense que la vidéo, il va falloir la commencer là. Parce que moi, la vidéo que je veux, il va falloir la commencer là. Ouais. Parce qu'on part d'un départ sur les mines. Quoi. Sur ? Les mines. Donc, du coup, il faut faire quelque chose qui le rappelle. Et oui. Ah, super. Tu veux du bruit? Ouais. Puis même à filmer, ça peut être sympa. Si tu veux, on peut aller au pont. Quel pont? Celui qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et si on continue, il y a un autre truc que j'ai jamais vu du coup, mais. Ça fait vraiment très automne en fait, toutes ces feuilles. Ça fait très beau. Eh ouais. Ouais, ça tombe bien, ça va sortir septembre, novembre. Ouais. Oui, nous sommes en juillet. Hein, ouais. Petite révélation dans Making Off. C'était pas grand. En juillet là, ouais. Quand t'es allongé, là, il y a moyen d'avoir un truc qui est sympa et qui peut faire peur. Là, l'utilité de montrer mon visage est utile, sinon, je vois pas l'intérêt puisque l'objectif c'est pas que on voit moi, l'objectif c'est l'ambiance quoi. C'est toi et l'ambiance, mais oui. Pas. L'idée, c'est quoi que je sois maquillée Non. Voilà, pour un rendez-vous galant. Bien sûr, voilà, c'est tout à fait l'idée. Un rendez-vous creepy. Un rendez-vous galant dans les mines. Ouais, parce que j'ai un plan en tête aussi où on verrait tes yeux, mais je sais pas comment te l'expliquer là. Encore, ça peut fonctionner.
Oui, alors bon, ce serait pas zoom en mode je zoome avec l'appareil parce que ça va être dégueulasse, mais je te filme. Non, c'est ça, ouais, je filme de près. Ah oui, c'est vrai en plus, je crois. Je croyais que c'était du caca, mais quand c'est du charbon. Ouais. Bon, en tout cas, on sait qu'il faudra finir avant 18-19h parce que ça fait un petit peu sombre. En fait, tu vois, pour un truc vraiment cringe, tu viens le soir quand il commence à faire nuit avec une gigalante. Oui, ouais, ouais. Malheureusement, on n'a pas ça, mais. Oui, j'ai vu qu'il y avait une petite lampe à la maison, mais. Ça m'étonnerait que ce soit puissant. Ah oui, il y a ce plan qui est pas mal aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a le panneau là, tu vois, mais. Moi, je préfère le plan d'en bas. Oui. Ouais. Mais je peux pas sauter, genre on peut pas me voir sauter, c'est pas dans ce qu'on veut, quoi. Ouais. Mais je t'avoue que moi j'ai vu ce que t'as fait avec juste les bras qui dépassent, en imaginant qu'il y avait du charbon et tout ça dessus. Passe bien, franchement, après, c'est bien stylé. Oui, non, mais à faire que ça, hein. Mais. Pieds, sinon, si, hein. Je sors juste les jambes. Ouais, mais c'est vrai je que. Sors en premier temps les jambes et après c'est comme si tu tournais et je sors les mains. Oui. Ouais. Et la question c'est est-ce que je parce que quand je veux vraiment partir sur les trucs. Ouais, ce serait bien qu'on voit ta main, je pense aussi. Et puis franchement, tu sais. C'est trop rapide, ça. Ouais, ouais. C'est ça, oui. Le problème, en fait. C'est vraiment une course lenteur, pas possible. Mais limite aussi, on peut ralentir un poil l'image. Hein. Tu le fais lent de base. Et en plus. On ralentit un peu. On peut tester, hein? Si t'es chaud, on peut tester. Ouais. Il y a peu de chances qu'on remonte, c'est-à-dire qu'on. Enfin, je sais pas, on verra. Mais on prend des sandwichs, comme ça on mange du pied, on se fait un casse-balle, et on décolle et on commence tous les plans mine en commençant par celle qui est là-bas. Ça me va. On va du plus loin au plus près, comme ça c'est plus simple pour nous aussi, ça nous fatigue vraiment de tout remonter derrière.
Ça me va, on se fait un pique-nique et on enchaîne. Un pique-nique et si l'après-midi on est chaud, dans ce cas-là, je fais des plans, pourquoi pas, d'autres trucs, on verra quoi. Et peut-être qu'il y en aura d'autres à faire aussi. Hein, voilà. Ouais. Parce que théoriquement, vendredi matin, on va que le matin. Donc si on doit retoucher des plans, on fait les rushs de l'histoire. On voit ce que ça donne, on voit ce qui nous manque et on y retourne le faire vendredi matin. Ouais, ok. Et après, moi, samedi, ça ne me dérange pas de rentrer. Fin d'après-midi, c'est pas un problème. Oui, qu'on se prenne l'après-midi, ouais, d'accord. Voilà. C'est pas un souci puisque maintenant on a la bonne route. Ouais, oui, sans commentaire. Non, c'est pas moi, c'est Google Maps qui a pas géré à l'aller. On s'est tapé une heure de plus de route. Et vendredi, il pleut, effectivement, donc ça nous laisse une demi-journée de moins. Ça change tellement vite le temps que Non, on croise les doigts. Hein. En gros, moi j'aime bien la méthode japonaise de cette idée-là. Les japonais, en fait, dans leur tête, quand une femme. Les femmes, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent les femmes japonaises ne s'épilent pas. Genre c'est chiant et tout, voilà. Oui, mais pour une femme japonaise, quand elle a des poils, ça veut dire qu'elle est une femme et qu'elle est adulte. Oui. Pour elle, se raser, ça veut dire que tu veux avec un enfant. Je suis tellement d'accord avec elle. Je suis désolée. D'accord, oui, oui. La culture européenne, pour ça, je l'aime pas du tout. Voilà. C'est. De vouloir enlever tous les poils d'un homme ou d'une femme, ça fait vraiment le faire revenir à un gamin de 6 ans. Quoi. C'est dégueulasse. Ah, c'est stylé par là, hein, franchement. Moi, j'ai pas d'inspiration. Tout ça, c'est trop beau, je crois, en fait. Ah oui, joli, oui, c'est ouais. Beau. Dans ce qui photo là. Bah, à travers les arbres, c'est pas mal. Hein. Pour une vidéo, c'est pas mal, franchement. Ou juste tu déambules. Ah bah de toute façon tu vas niquer les pieds partout je crois. Tu vas niquer les pieds partout je crois. C'est pour ça que je dis tous les passages où je vais marcher, ça va être. Je vais le faire deux fois avant de le filmer. C'est-à-dire que vraiment il va falloir que je. Voilà. Oui. De toute façon tu marches lentement. C'est l'idée. Bah déjà ça, c'est surtout que je pose pas les pieds de la même manière et je ne réponds pas de la même manière vis-à-vis du corps. C'est aussi ça, c'est pour ça que ça va être fatigant en fait. Je suis pas en train de faire de la marche de rando, je suis pas en train d'optimiser ma marche, je suis en train d'essayer de donner un effet. C'est clair. Hein. Bah oui. Putain, mais il y a tout qui est stylé, ça me saoule, on n'aura jamais le temps de tout faire. Ouais, si vraiment t'as des projets, on se rappelle. Enfin, frère, c'est pas comme si on était loin. Quoi. Oui, mais. En vrai, de vrai, je veux pas être méchante. Tout va. À 1h40 d'ici. Oui, mais tout va ensemble, tu vois. C'est. Enfin, à moins qu'on fasse une série de plein ça d'idéos. Tu peux mais... le faire aussi dans la neige, hein. Ça peut être très intéressant. Hein. Moi j'aimerais bien faire des photos de nuit dans la neige. Mm-hmm. S'il reneige un jour, mais sinon je suis chaud. En fait, il y a un truc que je voulais faire, une série de photos que je voulais faire, qui va m'être galère à faire d'ailleurs. Mais en fait, parce que je trouve de la fourrure viking, voilà. Je voulais faire une série de photos dans la neige avec un feu de bois et avec moi, juste avec une fourrure viking et avec tressé viking, avec le maquillage viking, mais nu. Et tu me l'avais dit, ouais. On va le faire. Et ça aussi, c'est stylé. Ouais. Mais franchement, si c'était pas caché par les branches là, ça ferait un plan de ouf. Hein.
super vue du point de vue du dolmen. Donc là, c'est le deuxième jour, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le tournage et les photographies. Photographies en priorité, puisque c'est le projet des photos de nu artistiques, donc, comme je vous ai dit, avec une ambiance assez creepy, comme on dit, assez inquiétante, dans une ambiance assez charbonnière, même si c'était des mines de fer, on va faire ça aux anciennes mines. Mais voilà, le but, c'est qu'elles se recouvrent de pastel noir pour donner un effet de charbon. Donc voilà, elle a ses habits, tout ce qu'il faut, et voilà, le but, c'est qu'elle ait une apparence un peu fantomatique, je pourrais dire, mais pas forcément, mais en tout cas un peu inquiétante. Donc ça, c'est la priorité. Ensuite, il y aura des vidéos qui vont être tournées, aussi bien pour ses projets à elle, son compte à elle, qu'à moi. L'idée, à moins que ça évolue, mais l'idée en tout cas, c'est qu'elle ait pour son TikTok une vidéo de 1 minute où donc elle incarnerait ce personnage-là en errance près des mines. Et moi, j'aimerais faire quelque chose de similaire, avec peut-être aussi également des plans dans la forêt. Retrouver un peu cette ambiance-là de ma vidéo qui s'appelle Mémoire. C'est un court-métrage expérimental que j'ai tourné donc ici en bas, dans les mines, avec une fausse caméra, enfin un effet de caméra Super 8, qui est évidemment fake, mais voilà, c'est pour donner cet effet-là, ça marche très bien. Donc retrouver un peu cette ambiance-là, pas forcément avec le même effet de caméra, je ne pense pas d'ailleurs, mais retrouver cette ambiance-là creepy et de errance à travers le temps, près des mines donc, et dans la forêt, et donc voilà, voir le personnage de Solange qui, avec une apparence donc fantomatique, pourrait errer, et donc il s'agirait d'installer une véritable ambiance sonore faite à partir de sons naturels, des petits craquements de branches, ce genre de choses, des oiseaux, etc., avec quand même assez volontairement une ambiance creepy. Donc voilà, bref, hier on a fait nos repérages, donc là j'attends qu'elle se lève. Moi j'ai fait ma petite, c'est la première fois que je vais au dolmen, donc j'ai fait ma petite balade matinale. Et donc le temps de se préparer, je pense que je vais filmer tout ça de toute façon, et commencer donc cette série de photos et de films. À tout de suite. C'est un premier jour de tournage et de photos et de galères, mais non, tu vas nous porter la poisse. Donc là, on se fait un petit test. Test photo. Voilà. Où l'idée, c'est de prendre une photo sans maquillage, sans charbon, sans rien, au niveau de ses racines, là. Ça peut faire un joli plan. Donc voilà, un petit test. Petit test sur les racines. Et là, je pense que ça peut être très joli. Je pense que ce sera encore mieux. Solange se prépare avec son mascara, j'allais dire, son... Ouais, le super mascara noir, L'Oréal et tout, non, la vieille pastel. La vieille pastel, et ça commence pas mal, à la caméra on le voit pas mal quand même, on le voit encore mieux en vrai, c'est normal. Faudra tester bien sûr à côté des ruines, j'ai envie de dire. Ah, putain, c'est chelou, ça fait... ça fait comme des scarifications noires, oui, au niveau de ton ventre, quoi, en tout cas. Oui, c'est pour ça que je cherche des effets un peu. Le problème étant, c'est que même comme ça. Alors attends. C'est tout ça qui va être chiant à faire. Je sais pas si ça marque, hein, sur le visage. Si, ça marche. Ça marque. Ouais, ça marque bien, ouais.
En fait, c'est la graisse, c'est ça? C'est-à-dire? Ben, le fait que ça marque plus, c'est parce qu'il y a de la graisse. Ouais. C'est ça que je voulais en effet. Et là, c'est pas trop mal. Bon. Ça doit faire vraiment sale par contre. Hein. C'est réussi, mais c'est ce que tu veux. Parce que... Commence les vraies prises, si je puis dire, à cet endroit-là, donc la trémie, coucou Solange, la Solange sale. La Solange sale. Voilà la dangerosité. Putain, du truc. Si tu me tombes, si on est mort. Ah non, je ne te tomberai pas dessus. Je suis bien stable. Bon, en vrai, on s'est fait une bonne pause après manger, une petite sieste, parce que là, en vrai, il fallait. Et on y retourne pour continuer ça, finir les photos avec l'imitation du charbon de mine et ce qu'on va faire. Oui, je parle tout seul, ouais. Je parle à la caméra et à mes futurs followers. Et 120 000 followers. À mes 120 000 followers, ouais. Allez. Voici une mineuse qui galère avec une porte. Voilà. Et puis, ouais, l'idée, c'est de prendre toutes les prises de son avec un petit micro. Pour passer un moment de folie, je vais en boîte de nuit. Non, je déconne. En fait, je pars loin en campagne, j'enlève tous mes vêtements et ensuite je me balade dans l'herbe en chantant. Moi, j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Moi, j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Ah oui, est-ce que mes sons durent longtemps? En vrai, si on peut laisser du mou, c'est bien. C'est-à-dire, en vrai, peut-être que j'utiliserai que 5 secondes, oui. Mais on va en laisser 20, tu vois, voilà. Oui. Et moi, ce que je pensais, c'est du coup me mettre... Là, parce que là, il y aura plus de temps. Voilà, enfin... Je vais faire deux allers-retours. C'est bon. Mon téléphone, par contre, moi, parce que si t'as pas mon téléphone, ça m'en... Ça va, merci. Ouais, tu passes une fois. Je vais faire deux allers-retours. Okay. Non, mais parce que il faudrait aussi, après, pour c'est un effet que je veux faire, que tu en fasses juste qu'un, genre, crac. Ouais. Après, tu restes immobile, genre. Ouais, 10 secondes, tu vois. D'abord, la marche et après, on fait comme ça. Ok. Je pense, en fait, ce qu'on peut faire, au lieu d'en faire qu'un, le mieux, c'est qu'en fait, tu passes, mais tu passes qu'une fois. Et tu vas un petit peu loin, c'est comme si tu continuais. Ah, okay. C'est pas mal. De toute façon, on va avoir beaucoup d'eau, parce qu'on va pas faire le pain, mais vas-y. Ok. Je commence à fatiguer, mais on fait ce qu'on a dit. Hein. Oui, on fait ce qu'on a dit dans la limite où tu vas bien et je vais bien. Oui. Non, mais ça va. Tu ne veux pas non plus te rendre malade et te détruire la santé pour te tuer. Non, ça va. Fallait que je mange un gâteau. Ouais, je pense surtout que tu penses à boire. Que je boive un. Ouais, je vais reboire après d'ailleurs. Ça vous intéresse? Ça, c'est un spermatozoïde. C'est un sperme. Ouais. C'est un mega tout petit micro. Tout petit, 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 petit. Et black. C'est la cause du réchauffement climatique. Everything black.
moi j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Moi j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Pour pas avoir de problème, pour passer un bon moment, je prends avec moi quand même des céréales et une épée en carton. On n'est jamais trop prudent. Allez, le dernier plan de la journée. On est explosé. Dernier plan de la journée, en haut, en hauteur où je la filme sur le pont. Et voilà, ensuite on rentre, on mange et on regarde tout ça. Ceci est une Solange en PLS. Voilà. Donc le temps qu'elle se repose, moi ce que je fais, c'est que je vais déjà commencer à retoucher quelques photos. Du coup, mais voilà, il fait beau. Et à cause de Solange, on n'en profite pas. Non, je rigole. Putain, l'empathie de ce gars est réduite à zéro. Mais normalement, il pleut. Enfin, normalement, il pleut début d'après-midi, mais dans l'après-midi. Mais bon, ça m'a l'air mal parti vu le ciel bleu qu'il y a. C'est sous-estimer la montagne, très cher. Hein. C'est sous-estimer la montagne, très cher, effectivement. Je t'assure que les changements de temps en montagne, il y a fou. Ouais, non, c'est vrai. Hein, c'est jour la nuit. Hein. Après, tu fais, oh, mais il y a 10 minutes, il faisait beau. Quoi. C'est très rapide, ouais. On se teste les deux ordres, celui-là et l'autre là-bas. Ça va, il y a un petit peu moins de noir, même s'il doit y en avoir encore un peu. Fais gaffe, hein. Fais bien attention de ne pas glisser. Assis de dos ? Ouais. D'accord. Session. Session rivière. J'en connais une qui se les caille. On a failli être surpris par des randonneurs. Sauf qu'on les a vus arriver à temps, à 10 secondes près, elle a eu le temps de se rhabiller. On est rincé. C'est le cas de le dire. La petite baignade a fait. La petite baignade des pieds a fait du bien. Moi je suis moins rincé qu'hier quand même. Parce que j'ai bien dormi. Dernier plan, le dolmen. Et puis nous avons fini. Après, on rentre dans la chaleur. Les nuages arrivent de tous les côtés.
Coucou Solange. Là c'est la mort. On a 20 minutes, une demi-heure, mais regarde à la vitesse à laquelle il arrive celui-là là. Je pense pas qu'on ait une demi-heure. Hein. À moins qu'il passe à côté de nous. Bon après ce serait joli, hein. Ça ce serait stylé, hein, c'est sûr. Hein. Eux ils descendent à vitesse grand V. Voilà, mais sinon c'est trop stylé. C'est la fin de ce making of et ici aussi ça va péter. Je viens de terminer le montage littéralement, que vous voyez d'ailleurs. Voilà, vous connaissez les secrets de notre tournage et bien évidemment notre court-métrage Errance est disponible. Donc le lien s'affiche à nouveau et puis tous les liens sont en description. Et tous les liens vous amenant vers les photos de Solange et nos photos également sont en description. Merci à tous, merci aussi à Bluehead pour cette formidable collaboration. Et c'est pas fini, bien sûr, on se fera des trucs prochainement. À bientôt.